Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, si comme nous, vous avez acheté les fameuses guirlandes étoilées chez Jiffy, donc déjà, je vous rappelle que le niveau qualité, c'est vraiment pas top, parce qu'il faut mettre un petit collier irisant, comme on vous l'avait dit, parce qu'elles se déboîtent. Donc déjà, point faible, hein, on a mis des colliers irisants, vous voyez, ça se déboîte, ça tient vraiment pas. Donc j'ai vraiment peur, hein, il y a plein d'humidité qui rentre d'ailleurs dedans. Les LED, elles sortent même, bah, vous voyez, il va falloir faire un renfort. Bon, bref, c'est des lampes qui sont allumées en permanence chez nous aujourd'hui. On les laisse allumer 24 heures sur 24 sur le display. C'est juste pour vous montrer qu'ici il y a de la décoration. Et en rentrant tout à l'heure, je me suis aperçu qu'elle ne fonctionnait plus. Alors, comme vous le savez, je pense, c'était dans un petit boîtier. Bon, la tension 31 volts sur mon transformateur, j'ai testé. Hein. Vous voyez, je marque la date toujours. Je l'ai testé et puis je me suis dit, ben, il y a un pont redresseur. Et j'ai ouvert mon petit pont redresseur, donc déjà plein d'eau à l'intérieur. J'ai décollé mon circuit à imprimer. Et là, non, ce n'est pas un pont redresseur. C'est une alimentation régulée. Et si on regarde bien ici, la piste, elle s'est coupée. Avec l'eau, ça a flashé. Donc il suffit simplement de refaire la soudure de ce côté-là. Et ça devrait repartir. Alors pour refaire la soudure, c'est très simple. Je prends un cutter. Alors attention aux doigts. Je gratte un peu le vernis sur ma piste. Alors attention, hein, si vous ne connaissez pas, il faut vraiment faire attention de ne pas abîmer la résistance. Ça donne ça. J'ai enlevé mon petit vernis multicolore. Maintenant, c'est tout brillant. Et là, je vais faire la soudure. Alors, je vais poser le fer. Voilà. Donc, j'avais pas la main libre. Hein. J'ai posé le fer, le téléphone le temps de faire la soudure. Donc, j'ai fait un petit pont. La coupure était ici. Maintenant, on va essayer.